Hey, y'a les gens, on se retrouve encore sur AFK Arena pour le jour 4 de l'événement anniversaire de AFK Arena. Du coup, on va dans l'escapade en forêt pour commencer. On fera l'hommage musical juste après. Hop, continuez. Il s'est passé quelque chose. Je dois vous avouer qu'il s'est passé quelque chose. Si vous regardez bien, bah, où je suis là en fait. J'ai battu les Talens. Alors, je voulais juste tester une compo avant d'aller me coucher pour voir si ça marchait. Et ben, je les ai one shot. J'ai trop le seum. Mais je suis content quand même, mais je vous ai pas vu. Du coup, j'ai screen. Et en gros, j'ai mis Chimera, Rohan devant. Chimera et Rohan devant. Du coup, Heinz en haut, Belinda et le mec, je sais plus comment il s'appelle. Le mec, du coup, qui fait des tempêtes de sable. Le piaf des pugistes. En gros, je me suis dit, le piaf des pugistes va ramener avec son tourbillon tout le monde au centre. Belinda, elle a des dégâts de zone du coup à un endroit, du coup, pff, ça dégomme ceux qui sont dans le rond. Chimera, ça renvoie tout le monde, ça fait des dégâts de zone, quoi, sur tout le monde. Rohan, il stun. Et Heinz, avec son ulti, boum, il dégomme tout le monde. Et bah, je les ai one-shot, ça a marqué. Du coup, les gars, c'est une bonne compo pour tuer Talen. Après, vous n'avez pas de heal, mais vous voulez one-shotter, c'est bon. Du coup, voilà. J'ai réussi à tuer les Talens. Du coup, on va découvrir le quatrième jour. Quatre? Ouais, quatrième jour. Quatrième jour. Et du coup, je vais vous montrer une nouvelle compo aussi, là, après. Contre les boss. Du coup. C'est en faisant une autre compo que j'ai pensé à tuer à Talens. Bah, j'ai réussi à tuer Talens. Alors, on a deux paris. Deux paris. Alors, il y a Zafrael contre... Ouais. Alors, Zafrael, lui, il va chump sur un mec... Ah. Ah. Ah, j'hésite. En vrai, Zafrael, ils vont tous jump sur le même. Je pense que c'est Zafrael qui va gagner là. Vas-y, je parie Zafrael. J'aimerais pas jouer contre Zafrael. Ah, le fear, j'en étais. Ok. Ok, bah, ils ont vraiment j'ai bien fait de voter Zafrael. Ok, je m'attends, je sais pas, j'ai vu le fear, je me suis dit, ah, c'est bon, ils sont finis, ils se sont fait fear. Et bah non, ils se sont fait one shot avec les petits nuages éclairs. Alors là, c'est le même, du coup, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, ça commence par un T, je crois, mais je sais plus. Je sais pas. Ah, c'est Tidus, voilà. Tidus contre Atalia. Atalia, moi je pense en vrai c'est Atalia. Comme elle jump en l'air, et one shot tout, je pense, je parierais sur Atalia, j'aimerais pas jouer contre Atalia, perso. Personnellement, j'aimerais pas. Oh ouais. Oh ouais. C'est largement Atalia, hein. Ok. Et là, du coup, on débloque le premier gros coffre. Du coup, là, c'était. Ah voilà, c'était ça ma compo, du coup. Chimera, Rohan, Heinz, Belinda et. Comment il s'appelle? Bah, je l'ai enlevé. Comment il s'appelle? Skria, c'était Skria, voilà. Je vais vous montrer, bah, je vais changer de compo juste pour ça, mais je vais vous montrer juste après ce que ça fait. Vous allez voir. Vous allez voir. Pourquoi j'ai mis ça? J'ai mis cette compo, bom bom bom, vas-y, go. Pardon. Nice. Et du coup, pouf, le premier co coffre. Ah, si on débloque le premier perso, il s'appelle Ryu. Ryuk? Raku? Raku? Je trouve vraiment une merde. Niveau nom des personnages, je suis nul. Vu que je joue pas, même ceux que je joue, en fait, je sais pas. Ok, bah, premier, du coup, gros coffre débloqué. Et on débloque le nouveau personnage, Raku. Je vais juste vous montrer, vite fait, ma compo juste pour ça. Je la trouvais drôle. Je voulais vous faire part de ma compo. Hop, 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 hop. On enlève tout. Du coup, on met Heinz là. On met Belinda là. Ou là, n'importe, ça change rien. Rohan. Rohan pour les stuns, mais il n'y a pas besoin de stun, je crois. Je sais plus, j'avais mis qui. J'avais pas mis Rohan. Ah si, j'avais mis Rohan pour le heal. J'ai besoin de heal quand même. Je crois que j'ai mis Rohan. Je crois qu'il avait fait un truc comme ça. Regardez, vous allez voir, c'est drôle. Non, j'avais pas mis de heal, je crois, à la fin.
Là, c'est le tourbillon. Là, tout le monde est pris dedans sauf la petite plante. Et là, ils vont prendre tous des dégâts au même endroit. Là, Belinda se fait plaisir. Heinz se fait plaisir. Ils sont tous plaisir, quoi. Parce qu'ils sont tous au même endroit. C'est trop drôle, je trouve. Là, vient de se faire enculer. Ok. Vous voyez, en vrai, c'est ça. C'est juste ça. En gros, ça, c'était un truc comme ça qui s'est passé avec Tailen, en plus rapide. Je vais juste mettre Phoenix à la place pour avoir plus de heal. On va voir si ça passe aussi. Par contre, j'ai pas de bonus de faction, quoi. Vu que j'en ai un de chaque faction à chaque fois. Ah, mais Belinda s'est fait one shot? Sérieux? Ah, je vois pas beaucoup de dégâts là. Oh, c'est trop drôle qu'il soit pris dans la tornade. Dans le tourbillon. En vrai, je pense que c'est une bonne technique ça. Petite Kriya là. Je pense que c'est une bonne technique. Mais ma Belinda s'est fait one shot, j'ai pas compris pourquoi. Mais. Bah merde. C'était moins bien du coup. Ok, bah du coup, je voulais juste vous montrer cette technique. Avec ma compo. J'ai trouvé ça drôle. Du coup voilà, pour l'escapade en forêt, c'était très simple aujourd'hui, et j'ai même, pardon, wow, réussi à battre les Talens que j'arrivais pas à battre. Et merci pour vos positions de team. Je vous voyais proposer des teams, tiens, teste ça, c'est très gentil. J'ai pas eu le temps de tester d'autres teams qu'on m'a proposé, mais merci à vous, merci à vous. Du coup, on débloque du coup, comment ça s'appelle? Un cadre? Le cadre, et on doit chercher la nouvelle lettre. Alors, suivez les indices. J'ai visité une multitude de villes humaines et je me suis jamais lassé du bruit et de la foule. J'ai eu la chance de sympathiser avec un sauvageon qui a voyagé à mes côtés jusqu'à l'orée de l'Yggdrasil. L'air empli de chlorophylle semble aussi empreint de musique. La carte du monde. La carte du monde? La carte du monde. L'Yggdrasil. Il n'y a pas un truc avec l'Yggdrasil? Yggdrasil, c'est là? Ah, parfait. Bah, c'est là. Il fallait juste cliquer sur Yggdrasil. Et pouf! La note de musique est là. Très bien. Bah, parfait. Voilà. Parfait. Le monde 3, du coup, sur la carte du monde. Vous allez chercher, vous débloquez. Hop, hop, c'est où? Là. La petite note de musique. Pam. Il faut la jouer aussi. Je vous ai pas dit, mais il faut les activer. En les cliquant dessus pour activer ça. Comme en gros, j'ai lu. Et le bloc là, le coffre se débloque au bout de 14 jours, il me semble, si je me trompe pas. Normalement. Sauf que se débloque dans 6 jours. Enfin bref, dans 10 jours on va dire au final. Mais sauf que si vous trouvez toutes les notes de musique, vous le débloquerez plus vite en gros. C'est ce qu'il me semble. C'est ce que j'ai lu, je crois. Et c'est ce qu'il me semble. Et du coup, ça par contre, le cadre en fait, il est stylé. Ce petit cadre, il est stylé. Moi j'ai le cadre diamant. Bon, c'est pas ouf. Du coup, voilà. Et ben, c'est la fin de cette vidéo d'aujourd'hui pour l'anniversaire. Pour tout ce qu'il y avait à faire. J'espère que vous avez aimé. Et puis bah, je vous dis à demain pour la suite. Ou à très vite pour d'autres vidéos sur d'autres jeux. Allez. Ciao tout le monde. Et merci encore pour vos positions et tout là. Salut!